Le pahatch, c'est cette fougère comestible qui pousse à l'ifou. Elle est également nommée fougère nid d'oiseau. Seule fougère comestible, elle est préparée et cuisinée par la tribu de Mushaweng sous toutes ses formes. Mais particulièrement dans cette tribu du district du Wetch, le pahatch est plus abondante et représente un véritable symbole culturel. Mare etogo sa kheni ge mamago amelare mamago ge saka nemeno eunigo ame yahon ge saka hotea koko fego to yahun ile akuchalau ko pahata ge manto ya lueuk mo pour dire que il mushawe exist nganelo la khenin. Pour obtenir les plus belles pousses de pahatch, les habitants de Mushaweng vont les cueillir vers le bord de mer à environ 30 minutes du village. C'est là où le climat lui est très favorable, notamment grâce au bon coup d'ouest. Habituellement servi en salade ou en accompagnement de viande ou de poisson, le pahatch est servi dans le restaurant du fils de Nakja Khwach à Mushaweng. Chasi lolai mode cuisson et cuire à l'eau de coco avec les zinia, man manyota, man kumala. Loahwane le cuisine yasego. Wamlo kapiata kwa kapiata bifo evolue. Marening basse toi qui fait. Akwaya evate de lota nemeno omelette au pahatch. Pahatch au lardo, sorbet pahatch. Si l'île de l'Ifou est connue pour sa vanille, le pahatch n'est pas en reste puisqu'elle est aussi présente dans la préparation d'un dessert, une glace 100% locale à l'arôme de pahatch.